Hey les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Planète Zoo. Aujourd'hui on va continuer la Night House qu'on avait commencé dans l'épisode précédent. Et on s'était arrêté à la fin de l'enclos des varans. Et aujourd'hui on va terminer la Night House. Et on va faire tout ce qui est terrarium, décoration, etc. Et la décoration extérieure je la terminerai en off parce que c'est moins intéressant. Du coup après la Night House on va sûrement faire les grizzlies. Et ensuite après les grizzlies, dites moi dans les commentaires ce que vous voulez. Faut que ça reste dans le thème montagne, donc dites moi si vous avez des idées sur quelques espèces que vous connaissez qui sont dans le jeu. Et aujourd'hui on a un très gros projet à finir et c'est la Night House qu'on va devoir terminer. Alors je vais vous montrer ce qu'on a fait en off. Alors regardez, j'ai fait des petits spots lumière ici, en gros j'avais juste mis de la lumière vers le bas et une vers le haut en deux speed pour voir ce que ça donnait. Et du coup j'ai fait les spots en haut parce que juste en bas ça faisait un peu triste. J'ai finalisé du coup l'électricité sur l'enclos des varans, donc en gros j'ai fait rejoindre etc parce que sinon ça faisait moche. Voilà, donc en gros ça fait quelques, enfin plein de petits carrés comme ça et en gros il y a des lumières dessus. Les toilettes je les ai décorées donc un peu en mode voilà, avec du bois et de la pierre avec le logo toilette qui va s'illuminer normalement si je dis pas de conneries. J'ai mis du coup les spots, j'ai accroché, donc en gros là j'ai fait style que c'était accroché à des barres de fer tu vois. Ça c'est moi qui l'ai mis et je trouvais que ça rend vraiment bien. Voilà, c'est moderne un peu et puis c'est réaliste. J'ai mis donc ça, ensuite j'ai mis des petits trucs informations, donc c'est pas mal. J'ai mis un truc de donation un peu genre vraiment lumière bleue dans la nuit, ça donnera vraiment bien. J'ai testé, ça rend vraiment bien, donc là comme c'est le jour on dirait que c'est dégueulasse mais c'est normal. Donc ici il y aura des terrariums, ici aussi, là il n'y en aura pas, là je ferai une scène et là non plus je pense pas qu'il y en aura, ça fera déjà beaucoup. Et puis là si j'en mets là en fait... Comme il y a déjà une vue ici, ça fera un gros bouchon. Parce qu'il y en a qui vont aller voir ici et ici. Du coup, je vais pas en faire. Je sais ce que c'est les bouchons et ça rend le truc moche en fait. Donc, je vais faire juste ici et ici des trucs pour les terrariums. Et du coup, ça ira très bien. Parce qu'en gros, j'ai fait un système d'aération. Voilà. Vous voyez, ça fait stylé. Hein. C'est vraiment réaliste. J'ai fait un système d'aération et à l'extérieur, voilà ce que ça fait. Alors de base c'est immobile mais en gros j'ai mis des ventilos à portée 0,1 à température ambiante juste pour que ça fasse l'effet de fumée en fait. Et après j'ai mis ça, c'est un bloc climatiseur externe, c'est un truc de déco voilà. Et ici voilà, je trouve ça vend vraiment bien, pour le coup c'est vraiment réaliste et j'aime trop ces petits détails en fait, c'est ce qui rend le truc vraiment stylé. Donc voilà, de loin ça fait style, c'est aéré, etc. C'est vraiment stylé, franchement j'aime beaucoup. Désolé si je parle un peu bizarrement ou je suis pas hyper dynamique comme d'habitude, c'est juste que je suis un peu malade. J'ai un petit rhume, donc je parle un peu du nez si ça s'entend, je suis vraiment désolé. Du coup voilà, la petite Night House, on va continuer ça tout de suite, je vous fais le timelapse, let's go. Thank you.
We'll be right back.
Relais bro, je suis mort de chez mort. Mais par contre, je suis trop fier. Ça rend trop bien sa mère. J'ai jamais fait un truc aussi beau. C'est genre magnifique à l'intérieur. Je suis trop choqué. Regardez-moi ça. L'ambiance, regardez-moi ça. Regardez-moi juste l'ambiance que ça donne. Regardez-moi comment ça rend trop bien. C'est genre magnifique. L'ambiance, elle est là, quoi. Là, tu te sens, t'es dans la nuit, c'est genre bien éclairé, pas trop non plus, avec des petites lumières déco. Non, franchement, je vois pas comment j'ai pu faire ça, en fait. Genre, je suis trop étonné. J'ai l'impression que c'est fait par un autre mec. J'ai mis des hublots, donc pour voir les terrariums, je trouvais que ça rendait vraiment bien et ça allait vraiment dans l'ambiance. J'ai mis des décorations murales, j'ai fait des petites scènes un peu, voilà, avec des grenouilles sur les herbes, etc. C'est vraiment stylé. Franchement... top. Avec les petites boîtes de donation un peu violettes, là, je trouvais ça rendait vraiment stylé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, pour moi, c'est un 20 sur 20, mais fois 1000, quoi, tu vois. J'ai jamais fait un truc aussi beau, je suis trop fier de moi, franchement. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Là, cette scène, vraiment, j'ai assuré, en vrai, c'est trop stylé. Trop stylé. Bon, bah voilà, le bâtiment est enfin terminé à l'intérieur, je suis trop content. Ça fait 4h30 que je suis dessus, 4h30 je suis dessus, ça fait 4h30 je suis en full build, j'ai pas fait de pause, j'ai fait 4h30 non-stop de décoration, de build, etc. Et au final, ça rend vraiment trop bien, au moins on a terminé, et je suis vraiment trop content, vraiment c'est un truc de ouf, vraiment trop ouf. Par contre, je suis crevé, hein. C'est tard le soir, ça fait 4 heures que je fais ça, je me disais quand j'allais finir... Au final, voilà, j'ai terminé, mais bon, ça rend trop bien, quoi. Je suis trop content. Je vais bien dormir, là, tu vois. Je vais dormir et je vais rêver de ça, quoi. C'est un truc de dingue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis vraiment fier de moi. J'ai enfin terminé. Il était temps. Il était temps parce que ça fait quand même à peu près 2 semaines hein, que je suis dessus en off, plus en vidéo. Conclusion, ça y est, j'ai terminé enfin. Voilà, l'ambiance est liée, le bâtiment est très beau. Franchement, je suis plutôt content dans l'ensemble, vraiment. J'aime bien les lumières rondes là dans les pierres et tout, enfin, j'aime trop. Dans le prochain épisode, on va pouvoir faire les grizzlies, ça va être super. En tout cas, la Night House, pour moi, c'est un 20 sur 20. C'est la plus belle création qui est actuellement dans ce parc. Je sais pas si on va la détrôner dans le parc, j'espère quand même, ça serait bien de faire des choses aussi belles que celle-là. Mais là, franchement, il n'y a rien à redire, je lui trouve pas de défaut en fait à ce bâtiment, c'est trop beau, vraiment. Avec les serpents bruns, alors, ah oui, je vous ai pas montré les terrariums, ce qu'on avait dedans, donc on avait les serpents bruns. Là, on a les vipères, non, les crotales diamantins. Là, on a les scorpions du désert. Là, on a les Viper heurtante, là on a les monstres de Gila, et là on a les iguanes des petites Antilles. Voilà, voilà. Voilà, d'ailleurs il est en train de bronzer sous ce truc là. Il est en train de bronzer sous la lumière. Bon, il y a un peu beaucoup de monde par contre. Hein. Je sais pas pourquoi dans ce jeu, dès que tu mets des terrariums, les gens foncent devant. C'est incroyable. Ça crée des bouchons. Bon, là encore ça va, il n'y a pas énormément de bouchons parce qu'il y a un espèce de rond-point. Donc ça va, les gens qui veulent aller là-bas, ils peuvent. Mais il y a quand même pas mal de gens devant les terrariums, hein. C'est assez dingue. Imaginez si j'en avais mis là. Hein. Les gens qui étaient là, bah ils seraient bloqués. Je veux aller aux toilettes. Genre ils pourraient pas. Ils pourraient tellement pas. Voilà, voilà. Bon bah les amis, on a fini pour aujourd'hui. La Night House est enfin terminée, je suis trop content. Moi sur ce, je vais aller me coucher parce que je suis trop crevé en fait. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment trop content. La Night House est vraiment une très belle création. J'ai vraiment pris du plaisir à la faire et à vous la montrer en vidéo. Franchement, c'était vraiment un très beau projet que j'ai voulu faire. Et j'en suis vraiment très fier. Je me répète un peu, mais c'est la vérité. Donc... voilà. Du coup, en off, je ferai la déco de à côté, donc tout ce qui est la place et la végétation qui aura à côté du bâtiment, parce que là, le bâtiment il est vraiment triste autour. À l'intérieur, il est magnifique, mais à l'extérieur, c'est pas non plus ouf. Mais voilà, le bâtiment en soi est terminé. Du coup, sur ce, on va pouvoir se laisser. On se retrouve dans l'épisode prochain. Je vous dis à la prochaine. Ciao les bros.